Bonjour à tous, prochaine séance d'entraînement, aujourd'hui jeudi 25 mars de l'année 2021, on se retrouve pour une séance axée force pour renforcement. Vous allez avoir une partie plus sur le niveau du haut du corps, une partie plus axée sur le bas du corps et un petit finisher bien sympathique sur le haut du corps à nouveau au poids du corps. Avant, pense à s'abonner à la chaîne, à partager son contenu à votre entourage et à activer les notifications pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Pour l'échauffement, ça va être relativement simple, relativement succinct, mais prenez le temps de bien le faire. Travail de mobilité et le pet faux. Donc, je le répète à chaque fois, mais c'est important de travailler sa mobilité de manière dynamique, de manière active, avec ses déplacements, donc tout ce qui va être la marche du canard, de l'araignée, de l'ours, de la chenille, etc. pour bien se mettre en marche, bien se préparer au travail de force qui suit. Vous avez ensuite, sur la première partie, 10... de chaque côté, Turkish Get-Up complexe. Donc un complexe de plusieurs exercices que je vous présente. Donc le premier mouvement, vous allez venir faire un sit-up, donc avec halter ou kettlebell, bras tendu au-dessus de vous, vous allez venir faire un sit-up pour vous redresser et venir passer un genou derrière pour passer en position de half kneeling, donc un genou au sol et un pied à plat. Comme vous allez voir sur la vidéo, c'est la première étape du Turkish Get-Up. Deuxième exercice, vous allez venir développer votre halter, donc venir l'amener sur l'épaule et le développer au-dessus de la tête. Troisième exercice, vous allez venir faire la fente pour vous redresser complètement. Quatrième exercice, vous allez faire un wide mill, donc bras tendus, vous allez venir chercher à toucher pied opposé avec la main qui est libre. Ensuite, vous allez venir faire un strict clean and press, donc je viens descendre mon halter aux hanches, je viens tirer pour le monter sur l'épaule juste à la force des bras et redévelopper pour l'amener au-dessus de la tête juste à la force des bras nouveau. Un hang snatch ensuite, donc je redescends mon halter aux hanches et cette fois-ci je l'envoie tout de suite au-dessus de la tête en venant me servir un petit peu de mes hanches. Et ensuite je rebobine le mouvement pour revenir au sol, donc je repose le genou au sol pour repartir en position de fente. Puis je fais la version inverse du sit-up pour venir me rallonger au sol et je change de bras. 10 de chaque côté, vous pouvez démarrer relativement léger et monter en charge au fur et à mesure des tours. Prenez le temps de bien réaliser tout ça. La deuxième partie, c'est sur le bas du corps, donc c'est un complexe sur les fentes. Vous allez prendre un dumbbell contre la poitrine en position gobelet et vous allez venir faire 3 squats plus 3 fentes vers l'avant. Donc j'amène le pied vers l'avant, je me repousse sur ma jambe arrière. 3 fentes latérales, donc cette fois-ci, j'amène le pied sur le côté, je descends avec la jambe opposée tendue et je ramène le pied sur la jambe latérale. Et 3 fentes vers l'arrière. Donc cette fois-ci, j'avance plus le pied, je recule le pied vers l'arrière, d'accord. Ensuite, je change de jambe finalement. Donc, je refais mes 3 squats, mes 3 fentes avec l'autre jambe cette fois-ci, mes 3 fentes latérales, pardon, et mes 3 fentes vers l'arrière à nouveau. Et j'enterre comme ça pour 10 répétitions au total de chaque côté en augmentant pareil la charge sur le dumbbell si jamais vous avez la possibilité. Dernière partie, la partie C, donc c'est un AMRAP de 10 minutes, donc 10 minutes où vous allez faire un maximum de tours. On démarre avec un push-up et un ring row, donc push-up, pompe et je me repousse, donc poitrine qui touche bien le sol et je retends bien les bras en haut à chaque fois. Et ring row, donc tirage au poids du corps. Essayez, si vous voulez complexifier le mouvement, de lever un petit peu les pieds pour les avoir à hauteur des épaules. Si jamais vous n'avez pas de paire d'anneaux, vous pouvez le faire avec toute barre horizontale, d'accord, qui vous permettra de faire du ring row comme j'avais mis la petite vidéo il y a quelques temps entre deux chaises avec un balai par exemple. Sinon vous pouvez faire du tirage avec halter, élastique, kettlebell ou quoi que ce soit, buste penché, tirage horizontal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'augmente les répétitions à chaque tour sur 10 minutes. On est bon pour cette séance. Comme d'habitude, si vous avez des questions, envoyez-moi vos messages. Sinon je vous souhaite un bon courage avec ça. Une bonne fin de journée, on se retrouve demain pour la prochaine séance d'entraînement. Ciao à tous.